me prêtise. Eh bah là c'est le matin, il est presque 7h, le soleil s'est déjà bien levé. Voilà. Bah là je vais pas tarder à partir pour l'aéroport. Je suis dans une tenue, comment dire, hyper confortable. J'ai mon legging à fleurs, voilà, comme ça je sais que je suis confortable. Un t-shirt et puis bon, il me reste plus qu'à mettre une petite polaire parce qu'il fait un peu frisqué. Et à l'aéroport il va faire encore plus froid parce qu'il est super venteux. Alors j'ai un peu le nez pris parce que j'ai fait une allergie dans le week-end, donc forcément, hein, voilà, pas très glamour. Et puis je suis encore un peu fatiguée parce que j'ai pas l'habitude de me lever aussitôt. Parce que d'habitude, enfin, je me suis levée à 6h du matin et je me suis couchée assez tard parce que j'arrivais pas à dormir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous reprendrai de temps en temps sur la route et sur l'aéroport et puis sûrement là-bas. Donc je sais pas combien de temps va durer ce vlog, si ça va être juste la journée ou si ça va être sur la semaine. Je verrai, voilà. À plus tard. Là on est le lendemain matin de mon arrivée. J'ai pas pu vous filmer la sortie d'avion ni vous filmer hier soir quand on est arrivé parce que on a eu tellement de retard qu'on est arrivé à minuit chez les gens chez qui on devait arriver. Donc on est à près de Montbrun-les-Bains. Donc je suis un peu fatiguée, je suis pas encore changée, je suis en pyjama, tout ça. Ben voilà, c'est une nouvelle journée qui commence. Je suis crevée. Oh, j'ai pas beaucoup dormi depuis l'avion et tout ça. J'ai pas très bien dormi parce que mon chéri me manque, hein, forcément. Donc, le programme de la journée, c'est qu'on a quelques petites courses à faire pour le boulot. Et puis voilà, je pense que on doit partir pour Avignon. Sur Avignon le mercredi, donc je sais pas si ça fera partie du même vlog ou d'un prochain vlog, donc voilà. Et je suis bien contente d'être là, c'est super beau comme vous pouvez le voir derrière moi, et puis voilà, je sais pas trop quoi dire, je suis encore très très fatiguée, donc à plus tard. Donc voilà, normalement là je suis demi-heure mine. Alors si vous voulez que j'ai le visage un peu gras, c'est normal, j'ai mis énormément de d'Egyptian Magic parce que ma peau a morflé avec le... comment on appelle ça, la clim dans l'avion, il faisait hyper hyper froid. Donc je suis désolée si c'est un peu cadré avec les pieds, mais comment dire, je suis revenue à mon ancien appareil et j'ai pas de retour écran, donc je verrai les résultats au montage. Donc de toute façon les vlogs, c'est un petit peu artisanal. Je sais pas si je pourrais vous filmer des vidéos classiques, mais je verrai, je m'organiserai. Voilà. Et ah oui, je vais vous montrer les achats que j'ai fait dans l'avion, dans le duty free de l'avion. Bon alors ça c'était pas dans l'avion mais c'était à l'aéroport, donc c'était Reese's Dark Peanut Butter Cup miniature. C'est super bon. C'est encore meilleur, je trouve, que les Reese's que Noémie m'avait envoyé, parce que je trouve que le chocolat noir et le beurre de cacahuète, ça va super bien ensemble, plus que le au lait.
Donc voilà, comme on n'en trouve pas à La Réunion, quand je n'ai trouvé au duty free à l'aéroport, eh ben, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'adore ça et ça, je pense que ça va me durer raisonnablement tout le séjour parce que je vais pas tout manger d'un coup. Parce qu'ils sont très bons, mais c'est quand même assez écœurant, je trouve. Et puis voilà, donc très contente de ce petit achat. Ensuite, j'ai pris ce petit kit OPI, voilà, vendu en exclusivité dans l'avion. Donc ça, c'était avec XL Airways. Hein. Donc c'est passeport tout color. Il y a le Alpine Snow, le Passion qui est un rose nude très 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 mignon. Il est un petit peu plus pâle à la caméra. Ensuite, le Strawberry Margarita, on dirait un framboise, mais magnifique. Ensuite, le Cancun Champ, c'est un de mes préférés. Le Big Apple Red, alors là, celui-là, je trouve magnifique. Et le Magala Wine. Ils sont tous très, 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 très beaux. Ensuite, j'ai pris la palette nude de L'Oréal Paris. C'est la palette Nude by Color Rich. C'est une palette que j'ai vue, que Noémie a présentée, que je voulais tester. Voilà, j'avais envie de la tester et ça tombe bien, normalement je crois qu'elle est plus faite. Je l'ai payé 20 euros, d'ailleurs le kit OPI aussi, je l'ai payé 20 euros. Je l'ai payé 20 euros, il y a 10 couleurs, il y a un pinceau double embout, mais bon, voilà, les pinceaux des palettes, on sait à quoi s'attendre, hein. Pas à grand chose. Donc voilà, chez Sephora, la palette Nude Rose, elle est à 26 ou 27 euros, quelque chose comme ça. Donc comme je préfère la Nude Nude et pas la Rosée, ça me convient très bien. Et puis en plus, je la paye moins cher. Ensuite, dernier produit, c'est des rouges à lèvres Rimmel. Donc il y a 4 rouges à lèvres, donc c'est 4-ci. Il y a le 01, le 03, le 05 et le 08. Enfin 001, 003, 005, 008. Voilà, donc c'est pareil, un pack exclusif pour l'avion. Je l'ai aussi payé 20 euros, donc 20 euros pour 4 rouges à lèvres, c'est pas mal. Ça fait très longtemps que je voulais tester les rimmels de Kate. Donc voilà, je voulais tester rimmel tout court et les Kate Moss, c'est encore parfait. Et ben, pour l'instant, je vous swatche rien parce que comme vous voyez, tout est sous emballage. Voilà, tous les produits sont sous plastique. Donc dès que j'aurai un temps, je les ouvrirai, je les swatcherai et puis. Et puis je sais pas, je vous donnerai mon avis. Donc voilà, je me suis déjà fait plaisir. J'en ai eu pour 62 euros. Hors les résises. Les résises, je les ai payées 11 euros. Donc voilà, j'en ai eu pour 71 euros. Non, 73 plutôt. Voilà. Je suis contente. Je suis contente déjà de ces achats. J'ai déjà repéré quelques trucs sur Sephora.fr à choper. Des produits que j'utilise, donc c'est parfait, hein, ils sont entre 1 et 5 euros, donc j'espère qu'il y en aura encore quand je pourrai passer une commande. Et sinon, bah, j'espère pouvoir faire les soldes à Avignon un petit peu quand même. Donc si vous avez des adresses, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire, hein. Donc bah, là je vais vous laisser, on va pas tarder à partir et je vous emmène avec moi sur la route pour qu'on filme un petit peu ces beaux paysages, parce que hier soir on arrivait, il faisait nuit, donc j'ai pas vu. Là, j'ai déjà un aperçu du beau paysage, mais j'aimerais bien voir le reste. Voilà, à tout à l'heure. Je vais arrêter ce vlog ici parce que ben, je vais plus avoir grand chose à filmer pour cette journée. On va pas tarder à aller manger. Donc ben, voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à me faire des gros bisous. Voilà, comme je vous fais plein de gros bisous. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.